Salut, c'est Boisdin. Je vous ai demandé sur Twitter une idée, une proposition de personnage à dessiner pour cette vidéo et vous avez été très très inspiré. Il y a eu notamment un Jean-Luc Reichmann et deux Tex. Et j'ai hésité, j'avoue Tex, j'ai un peu hésité. Au final, j'ai choisi la proposition de Twinitz ou La Patate sur Twitter, Christophe Maé version Monsieur Flap. Car j'adore Monsieur Flap et un peu moins Christophe Maé, mais j'adore Monsieur Flap. D'ailleurs, si vous connaissez pas la série Monsieur Flap, foncez la regarder. Mais je ne vais pas simplement dessiner ce dessin, non. Je vais le dessiner en 10 minutes, 1 minute et 10 secondes. Exactement le même. D'abord 10 minutes, puis 1 minute, puis 10 secondes. C'est un défi plutôt connu. On m'a déjà tweeté plusieurs fois à propos de ce défi. Je le connais depuis. Revoyons l'action au magnétoscope, Thierry. Longtemps. Et il y en a d'autres dans le même genre qui existent. Enfin, tapez sur internet ce genre de défi, il y en a plusieurs. Mais j'ai décidé, suite à un autre tweet, alors là je me souviens plus du nom, mais je le mets là, que ça serait une bonne idée de vidéo à faire, que ça vous ferait plaisir d'enfin réaliser ce défi. Et voilà, on y va sur une musique de. Je sais pas, je verrai au montage sur une super musique et je vais partir dessiner par. Alors, n'est-il pas beau ce magnifique Christophe Maé, Monsieur Flap? On peut dire Christophe Maé avec une tête de fesses. Fesses. C'était un défi vachement intéressant à faire. En 10 minutes, j'ai un peu pris mon temps quand même. J'ai pas fait de croquis avant ni rien, donc j'y suis allé au feeling. J'aurais peut-être même pu mettre
pu mettre des couleurs si j'avais dessiné un peu plus rapidement, mais je l'ai pas fait. En une minute, c'est encore faisable, on l'a vu. Vous avez vu dans la vidéo qu'une minute, ça va. En plus, là, je vous l'ai mis, je crois, en temps réel. Normalement, au montage, je vais vous mettre le 1 minute en temps réel. Le 10 secondes aussi. Le 10 secondes, là, par contre... Hein, j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses en 10 secondes, je trouve. Personnellement, je trouve c'est compliqué, mais l'intéressant dans ce défi, c'est que comme tu l'as déjà dessiné deux fois avant, et ben en 10 secondes, tu as déjà la structure du dessin dans ta tête, donc tu pars pas de rien. Et donc tout de suite, vous avez vu, j'ai fait le chapeau, j'ai essayé d'aller au plus vite. Voilà, enfin, c'était intéressant comme vidéo. Enfin, je crois, j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que Bois 2 ou moi-même, on pourra en refaire. Bois 2, ça serait marrant de voir Bois 2 sur cet exercice. D'ailleurs, en parlant de Bois 2, la prochaine vidéo sera avec lui, car on a dépassé les 31 071 abonnés, qui était le dernier palier, le prochain palier à atteindre pour faire une vidéo FAQ abonnés. Donc posez-nous vos questions en commentaire sous cette vidéo, s'il vous plaît, et on y répondra. Et en plus, on a aussi des choses à vous raconter, des projets qui arrivent. Voilà, ce sera la prochaine vidéo pour bien commencer l'année 2018. Oui, c'est ça que j'ai oublié, oh là là, j'ai oublié de vous le dire, de mettre un gros pouce vers le haut, mettez vraiment un gros pouce vers le haut, partagez cette vidéo, commentez, n'oubliez pas de nous poser des questions, mangez des frites, voilà. Bonne année.